La musique, les concerts, les salons et les femmes. Tout semblait fait pour rendre cette première époque viennoise semblable à une fête, alors que le destin s'acharnait sur lui sans répit. À l'âge de 27 ans, les signes avant-coureurs qu'il avait ressentis depuis quelque temps n'étaient pas une illusion ou de simples phénomènes passagers. Il devenait évident qu'il perdait peu à peu le sens le plus précieux pour un musicien, son ouïe. Il avait beau lire tout ce qu'on avait publié sur le sujet et consulter les meilleurs médecins, le malheur tant redouté était inéluctable. Il allait, dans combien de mois, combien d'années, sombrer peu à peu dans le pire drame qu'un compositeur puisse connaître, la surdité. Un soir de 1802, alors qu'il séjournait dans une petite maison de campagne, au milieu des vignobles d'Heiligenstadt, près de Vienne, il eut l'impression d'être arrivé au bout du chemin.